Bonjour, nous sommes les CM2B et c'est le Café Philo numéro 4. Et la question d'aujourd'hui, c'est pourquoi la fraternité est-il utile à la société? Définition du mot fraternité, sentiment de solidarité et d'amitié qui unit des personnes. C'est des personnes qui veulent s'aider. Lien qui existe entre les personnes apparaît à la même organisation qui participe au même idéal. Moi, je pense que la fraternité est un groupe de personnes qui font les mêmes activités ensemble. La fraternité, c'est la base de la socialisation et d'une bonne éducation, laquelle je crois qu'elle doit être présente dans tous les foyers. Oui, la fraternité, c'est un ensemble, une belle idée. Qui est concerné par la fraternité? Pour répondre à la question de mon camarade Renato, la fraternité est utile à la société car elle rend la société plus équilibrée et sereine. Dans quelques pays, il y a beaucoup de fraternités et peu de fraternités. Par exemple, il y a des pays qui ils se suicident et aussi des personnes qui veulent tuer d'autres. Moi, je crois que sans la fraternité, il ne pouvait pas exister beaucoup de choses. Par exemple, tu as besoin d'avoir de la fraternité, par exemple, dans tes travails ou avec des amis, et tu dois besoin de te communiquer. Je crois que la fraternité est utile à la société parce que les hommes sont tous des frères, car ils ont tous le même créateur. Ils doivent coopérer par le bien commun, notamment à travers l'économie. Alors ne faites pas donc pas de différence entre vous et les autres et acceptez de partager et d'échanger. La fraternité fait partie avec la liberté et l'égalité des valeurs fondatrices de la République. Pour moi, la fraternité est utile parce que nous sommes tous des êtres humains et on a besoin d'avoir de la famille et des personnes qui nous aident. Par rapport à ce que a dit ma camarade Camilla, je ne suis pas trop d'accord parce qu'il y a des enfants ou des personnes pauvres qui n'ont pas de l'aide et vivent comme ça toute sa vie. Attention, la fraternité peut être mal utilisée. Par rapport à ce que dit ma camarade Sophia, moi je suis d'accord parce que les candidats pour la sélection de président, il y a des candidats qui utilisent la fraternité pour gagner des votes. Il y a aussi des pays qui font de la guerre pour avoir plus de pouvoir et ça c'est dû à la fraternité. Moi je crois que la fraternité est utile à la société parce que sinon on ne serait pas des amis. Par exemple, si toi tu m'aides, moi je t'aiderai. Ça s'appelle collaboration. Quand tu vois une personne âgée en train de qu'elle veut traverser la rue, toi tu l'aides, mais et après tu n'es pas que tu l'aides et après et il va te tient 10 dollars, c'est tu dois des fois il te tu dois l'aider 20 fois pour que elle te donne un ou deux fois. Comme dit mon camarade Mathias, pour expliquer meilleur, c'est que c'est pas toujours qu'on doit donner des choses avec une chose qu'en retour, on ne fait pas fraternité. Merci, celui-là était le Café Philo, le quatrième Café Philo de CM2B. On espère avoir répondu à sa question.